De croissance démographique du Cameroun montre que c'est tous les 25 ans qu'il y a doublement de la population. Et ça permettait aussi de formuler une réponse à la fameuse question du chef de l'État, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Donc c'était ça, la vision. Une vision, c'est pour ça qu'on a baptisé ça vision 2035, de 2010 à 2035, vous avez vos 25 ans. Le budget étant l'instrument principal d'exécution du plan, pour ce qui concerne tout au moins la part d'effort qui est demandée à l'État. Le plan tel qu'on le voit aujourd'hui, bien entendu, n'est pas un plan impératif. D'ailleurs, le Cameroun n'a jamais eu de plan véritablement impératif. C'est un plan indicatif, je dirais même incitatif, dans lequel l'État joue sa part et l'État fournit sa part d'effort, mais il attend des partenaires, des autres acteurs, leur contribution. C'est pour ça que dans l'élaboration de stratégie sectorielle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui entre dans le cadre du DSCE, ces stratégies sectorielles ne sont jamais des stratégies qui ne concernent que l'État. Elles sont élaborées de manière participative, avec l'appui et la contribution de tous les acteurs de développement. Dans les années à venir, quand on regarde sur les 15, 20, 25 ans à venir, on a un certain nombre de défis que nous voulons relever si le Cameroun veut continuer à exister comme État et se faire entendre sur la scène internationale. Le premier de ces défis est celui de la consolidation de l'unité nationale et du processus démocratique. Pourquoi c'est un défi? Parce que le Cameroun est une mosaïque de ethnique, une mosaïque linguistique, une mosaïque religieuse, une mosaïque politique. Il y a des corporations de toutes sortes. Le deuxième défi, c'est de faire tout cela en consolidant en même temps le processus démocratique. Que le consolider le processus démocratique pose le problème de l'état de droit, il pose le problème de la promotion de respect des libertés individuelles et collectives, ça pose le problème de la séparation des pouvoirs, ça pose le problème de l'émergence d'une société civile qui soit forte mais aussi responsable, et ça pose le problème également de la participation de tous les acteurs à la vie sociale. La consolidation de la démocratie est un processus qui n'est pas encore gagné. Il faut que nous le gagnions si nous voulons que notre pays puisse libérer les forces vives qui sont les siennes. Pendant la période de mise en œuvre du document stratégique pour la réduction de la pauvreté, donc 2003-2007, le taux de croissance est même moyen, c'est même ralenti à 3,5%. Et on se rend compte que on n'a pas pu réduit la pauvreté depuis 2001. Le taux de pauvreté est resté à 40%. Ça veut dire que 4 Camerounais sur 10 vivent avec un revenu inférieur au SMIC. Le troisième défi est le défi sociodémographique. La population reste extrêmement jeune. N'est-ce pas? Elle reste extrêmement jeune. Donc, c'est une population qui est essentiellement à charge. C'est-à-dire qu'elle pèse sur le système de santé. Elle a des exigences en matière d'emploi, elle a des exigences en matière d'éducation et de formation qui sont extrêmement fortes. Nous ne pouvons pas espérer aller plus loin, nous ne pouvons pas espérer accélérer la croissance et faire de grandes réalisations si nous ne sommes pas capables de mieux gérer les ressources dont nous disposons. Voilà. Je voudrais passer rapidement sur cet objectif, sur la vision, pour dire encore que la vision... dans la déclinaison de la vision, vous avez plusieurs étapes qui ont été identifiées, plusieurs objectifs intermédiaires qui ont été identifiés. Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable que nous avons jugé être le niveau de 10% de pauvres. Il faut atteindre l'étape de pays à revenu intermédiaire, atteindre le niveau de pays, le statut de pays, le niveau de pays industrialisé. Et ainsi de suite. Le DSCE est une stratégie qui s'appuie sur trois axes. Le premier axe, c'est l'accélération de la croissance. Le deuxième axe,
c'est la création d'emplois décents. Le troisième axe, c'est la gouvernance et la gestion stratégique de l'État. La gouvernance comporte à la fois le renforcement de l'État de droit, il renforce la lutte contre la corruption et les détournements. J'ai parlé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Mais la gouvernance, c'est aussi, c'est pour ça que nous avons parlé de gouvernance et gestion stratégique de l'État. Dans le volet gestion stratégique de l'État, il y a la décentralisation, qui est une option irréversible. Il faut aller vers plus de décentralisation parce que l'échec de la politique d'aménagement du territoire actuel, précisément, demande qu'on ait plus de décentralisation. Il faut que les régions, les départements, les collectivités, les communes puissent davantage être impliquées. Il faut cesser de concentrer les choses. Il faut aller, décentraliser le pays, faire en sorte que là où on peut créer de l'emploi, dans les régions, il faut créer des emplois. Il ne faut pas croire qu'on peut créer des emplois qu'à Yaoundé ou à Douala. L'État n'est pas là pour cultiver des macabo ou des plantains. Mais l'État doit pouvoir être vigilant pour que celui qui veut cultiver le macabo et le plantain puisse recevoir l'appui nécessaire. Les quelques éléments que je voulais porter ici à votre attention dans cette conférence débat sur la vision 2035, je vous remercie de votre attention. L'évolution que vous avez faite a abouti à la nouvelle approche de la planification prônée dès 2004. Et elle a abouti à la vision actuelle de 2035, avec les défis que vous avez soulignés, défis de consolidation de l'unité nationale, consolidation du processus démocratique, de la croissance économique et de l'emploi, défis démographiques et défis de la gouvernance. Et dans le cadre de la prolongation de cette politique de planification, les objectifs principaux sont la réduction de la pauvreté, faire de sorte que notre pays puisse devenir un pays intermédiaire et un pays émergent. Le document que vous venez de parcourir en diagonale a été élaboré sur la base d'un processus participatif, ce qui est très très important. Parce que pour que ce document soit réalité, il faut que la population concernée y participe. Madame, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Lui avec intérêt le... La vision 2035 est très curieusement, depuis quelques années, je travaille énormément sur la stratégie de développement ou les visions dans plusieurs pays du monde. Il n'y a aucune expérience dans le monde du développement uniquement basé sur les marchés. On a besoin, comme l'a très bien expliqué Monsieur le Secrétaire Général, on a besoin à la fois d'un plan, d'une vision, d'un programme pour pouvoir exécuter, mais on a aussi, bien sûr, besoin d'un bon fonctionnement des marchés, puisque nous ne sommes pas dans des économies planifiées centralement, où l'État dispose de tous les moyens de production. Donc, on a besoin de la participation de tous les acteurs économiques dans le processus de développement, mais une participation dans le cadre d'une vision commune. La stratégie de développement ne peut pas se baser sur des recettes simplistes. Vous avez eu l'expérience dans votre pays, mais beaucoup de pays en développement ont eu l'expérience pénible avec des politiques imposées par les institutions internationales. Donc, une stratégie de développement doit se baser sur la réalité du terrain. Nous devons faire notre travail. Donc, nous devons nous mettre à l'œuvre pour comprendre les réalités, pour voir quels sont les défis. Et
les défis, comme le secrétaire général l'a bien expliqué, sont très nombreux dans tous les domaines, que ce soit économique, social, culturel, politique, pour pouvoir, et puis bien sûr, élaborer une vision, des programmes, des stratégies pour pouvoir relever ces défis. Il n'y a pas de développement si on oublie l'État. Vous pouvez prendre n'importe quelle expérience, ou en Amérique latine, Brésil, ou au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'exemple de développement réussi sans le rôle de l'État. Dans notre politique de développement, nous devons très bien suivre notre environnement international et aussi notre environnement, bien sûr, économique et social dans le pays. Et ne pas avoir peur, justement, d'actualiser notre stratégie, nos politiques d'exécution. Dans les 10 prochaines années, on va toujours se trouver dans une période pleine de risques, pleine d'incertitudes au niveau économique et financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phase initiale de la mise en œuvre de cette vision aura lieu dans un cadre international extrêmement difficile. Et donc, il faut en tenir compte de cela. Donc, nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Toute cette politique de développement, la mise en œuvre de la vision, va devoir tenir compte de ce contexte dynamique mais extrêmement risqué. Et donc, je vous souhaite tout le succès, toutes les réussites, et je vous félicite à nouveau dans l'élaboration d'un tel document. Merci, monsieur le modérateur. Merci de votre appréciation sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qu'a présenté M. Mbassa. Merci pour nous avoir fait partager le résultat de votre expérience et de vos observations en matière de développement international. Dans ce cadre, vous avez souligné l'insuffisance du consensus de Washington. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'il faut adapter la planification au contexte où elle doit être exécutée. Je voudrais dire que, pour essayer d'introduire mon propos, je dirais, de celui de Mme Clodac, on comprend très bien qu'on parle d'un cadre général qui est le DSCE. On parle d'une analyse faite par le professeur du contexte de la mise en œuvre d'une stratégie. Et aujourd'hui, on nous demande d'essayer de voir comment est-ce que l'Union européenne contribue à ces efforts de développement de notre pays. Dans votre permission et peut-être pour une meilleure compréhension de l'assistance, je souhaiterais peut-être que madame prenne d'abord la parole. Et en effet, les premiers accords pour la relation de ce qu'on appelle relation avec les ACP étaient signés à Yaoundé en 63 et 69, qui donnaient déjà les avantages commerciaux et une aide financière aux 18 pays, surtout anciennes colonies de la France. Après cinq accords, on les appelle ça de Lomé. On est maintenant dans l'époque d'un accord de Cotonou conclu en 2000 et qui régit toujours nos relations. Ces accords sont financés par ce qu'on appelle les fonds européens de développement, qui sont des grands fonds hors du budget de l'Union européenne. Et ils s'étalent sur 5 années. Maintenant, on est à notre 10e fonds FED. Monsieur Gouet va vous parler plus en détail de ce que le Cameroun a reçu de ce fonds et d'autres fonds aussi disponibles sous ces traités pour le Cameroun. Mais je peux vous dire, dans les dernières 50 années, c'est presque 1 billion d'euros qui est en transfert. Les premières deux décennies de notre coopération étaient surtout sur la construction des infrastructures sanitaires et éducatives au niveau primaire et secondaire. Et cette année, on a pu constater qu'on a un engagement maintenant de 80% de nos fonds de ce programme, le 10e FED, un montant de 245 millions d'euros pour ces 6 années.
qui est notre réussite de nos nouvelles structures. Mais nous restons vigilantes et en dialogue avec le gouvernement dans le cadre de cet accord de Cotonou. On mène un dialogue politique deux fois par an avec le gouvernement au niveau du Yaoundé. Et sur toutes les questions qui continuent de nous préoccuper, les préparations, conditions, la prochaine élection présidentielle, bien sûr, la corruption, la liberté de presse et les conditions dans les prisons. Dans le cadre du 10e FED, nous avons établi ensemble avec le gouvernement une liste des engagements en matière de gouvernance qui étaient intégralement choisis et formulés par le gouvernement, qui sont discutés et suivis dans ces régions. Ces actions restent plus que jamais d'actualité et ont été même précurseurs dans plusieurs domaines. Je vous remercie pour votre attention. Aujourd'hui, on est régi par l'accord de Cotonou qui a été signé en 2000, révisé en 2005 et je dirais une autre révision est attendue dans les prochains jours. L'Union européenne est le premier partenaire du Cameroun, tant au niveau commercial que pour les actions de développement. Ces conventions font l'objet d'évaluation. L'Union européenne est représentée par une délégation. L'interlocuteur, c'est l'ordonnateur national qui représente le gouvernement. Et dans les procédures du FED, il est considéré comme maître d'ouvrage. Avant 2006, il faut savoir que l'ordinateur national avait des cellules, je dirais, par secteur. On a constaté que ça ne fonctionnait pas. C'était différents interlocuteurs qui chacun avait accès directement à l'ordinateur national. Et je dirais, la coordination de toute la coopération posait quelques problèmes. Le premier FED a été signé en 1959 pour 20 millions d'euros. 21 millions. Et le FED en cours, 10e FED, 2008-2013, 245 millions d'euros. Voilà des routes très anciennes, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont reçu des financements de l'Union européenne. Et dans le cadre du 9e FED, tout est fait récemment, notamment l'année dernière, en septembre et octobre de l'année dernière, on a réceptionné des travaux sur Garoua-Figuier et Mouya-Kouba. Constatons que l'Union européenne intervient pratiquement dans tous les secteurs d'activité économique et sociale de notre pays. On a vu certains chiffres. Bon, maintenant, M. Bouet, je crois qu'il read my lips. Il avait lu mes lèvres, comme les anglophones disent. Je voulais demander à tous les intervenants de mettre à la disposition de l'ambassade leur intervention pour question de dossier. Maintenant, on va se tourner vers l'Assemblée pour prendre les questions et je vous demande à titre de rappel d'aller droit au but. Monsieur Benjamin Djama, certains économistes officiels proches du régime disent que le Cameroun sera un pays émergent dans 20 ans. J'aimerais savoir si vous y croyez. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que déjà le financement de ce plan balbutie, est en plein balbutiement. Certains investisseurs traînent des pieds et le gouvernement envisage de lancer un emprunt aux obligataires à Douala. Bon. Est-ce que vous êtes sûr de récolter suffisamment de fonds? Il y a un problème que vous avez à aborder, c'est l'emploi. Vous dites qu'il faut soutenir les PME. Or, l'action de l'État à ce niveau souffre d'un manque de lisibilité, seulement long. Est-ce que vous avez des projets à ce niveau? Bon, moi je demanderai à M. Djama de repartir dans la lecture de la vision. Le professeur tout à l'heure disait le rôle économique de l'État est très important, il faut le définir. C'est pour ça qu'on a d'abord fait la vision avant de faire le DSE. Quel est le rôle que nous voulons voir l'État jouer à l'avenir? Dans le Cameroun de 2010, ce n'est pas le Cameroun de 1970. Il y a seulement des entrepreneurs qui sont là, qui veulent investir. Est-ce que l'État doit se remettre à planter du macabo, du plantain, de l'igname, etc., etc.? Parce que c'est ce que l'État a fait à un moment.
malheureusement, ces structures sont devenues des structures budgétivores. Parce que l'État, je suis désolé, il sait faire beaucoup de choses, mais aussi des choses qu'il ne sait pas bien faire. Donc, je crois qu'il faut que nous regardions notre pays en face. Qu'on se regarde en face. Parce que quand c'est facile de dire, c'est tel ou tel qui a été mis là-bas, mais on a mis des gens de toutes les régions. Et tous ont échoué. Donc, il faut bien que nous regardions comment, qu'est-ce que l'État, dans le contexte du Cameroun, peut faire. L'État choisit les projets dans lesquels il va, encore une fois, c'est un État stratège. Pourquoi il va dans le projet d'extension à l'UQAM, en fait, qu'on appelle aujourd'hui projet Rio Tinto? Parce que le projet qui doit prévoir une nouvelle aluminerie dans l'ancienne portière de Kribi, le projet actuel a aidé actuellement l'aluminerie produit 100 000 tonnes. À Kribi, on va vers un projet de 1 200 000 tonnes. Bon. Ce projet doit impliquer la construction d'une centrale hydroélectrique à Sombengue, 950 MW, c'est-à-dire la production actuelle de la Sonel. En 2025, toute la zone CEMAP sera devenue émergente. Nous nous disons 2035, et vous nous dites que nous sommes... Alors que nous représentons 100% de la CEMAP. Mais la CEMAP dit que la zone peut être émergente en 2025. Le plan économique régional, le programme économique régional qu'on vient d'adopter, que l'État vient d'adopter il y a quelques mois, dit bien 2025. Bon, maintenant, nous avons fait notre propre évaluation avant que le programme économique régional ne soit adopté. Bon, peut-être qu'il se base beaucoup sur les pétrodollars de la Guinée patrouillale et autres, mais nous nous basons sur ce que nous avons. Et nous pensons qu'en 2035, je dirais au plus tard, si les choses se passent normalement, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas. Et à remercier infiniment toute l'ambassade du Cameroun d'avoir pu organiser cette conférence et à tous les intervenants pour leurs brillants exposés respectifs. Mes questions vont s'adresser à M. Bassaï et à Mme O'Brien. La question à M. Ngassa va tout à fait à M. Bassaï va dans le sens exact de la question de M. Benjamin Diama. Mais je ne dirais pas que je critique le plan, je dirais simplement, vous avez brossé de manière très claire les défis que le Cameroun va relever demain. Mais on est dans un monde mondialisé, dans lequel les enjeux ne regardent pas simplement le Cameroun, mais il y a également des enjeux régionaux. Et pour faire effectivement atteindre les taux de croissance dont vous avez parlé, pour arriver à la fois à une redistribution de cette croissance au niveau des populations, il faut une croissance importante, il faut des investissements importants. D'où vient l'argent? De l'aide? Vous levez ça de l'épargne intérieure? Ou bien vous attendez des investissements étrangers? Et si c'est des investissements étrangers, qui s'endettent? L'État camerounais, les entreprises camerounaises? Et comment est-ce qu'on s'engage à accompagner les entreprises camerounaises pour qu'elles aient accès à ces financements extérieurs nécessaires pour créer effectivement de la compétitivité pour nos entreprises? Et alors je me dirige directement vers Mme O'Brien. L'Union européenne tient énormément un double discours. C'est-à-dire qu'on nous dit à la fois on va apporter une aide au secteur privé en Afrique, mais le discours de M. Mignan était assez éloquent. Il n'a parlé que des accords entre l'État camerounais et l'Union européenne. À aucun moment, il n'est apparu une seule ligne disant, voilà, des lignes de crédit qui sont destinées à des entrepreneurs camerounais. Nous ne sommes pas tous ici dans la salle des représentants du gouvernement, premièrement. Il y a également des hommes qui voudraient entreprendre au Cameroun et qui trouvent tous les barrages possibles parce qu'ils n'ont pas accès à des crédits. Effectivement, lorsque vous adressez à des organismes tels que Bio ou un certain nombre de fonds, ou en tout cas d'organismes qui sont créés en Europe pour pouvoir faciliter les investissements en Afrique, on vous dit, voilà, écoutez, on va vous donner 25 000 euros ou 20 000 euros. Je veux dire, on ne crée pas la dynamique économique véritablement avec 20 ou 25 000 euros. Et lorsque vous adressez à d'autres États, organismes également, tels que la Banque mondiale ou en tout cas l'AFC, on vous dit, on ne traite qu'avec les États. Alors, pour les entrepreneurs africains qui veulent entreprendre dans leur pays, dites-nous quelles sont les politiques claires de l'Union européenne en cette matière pour permettre aux jeunes entrepreneurs africains de dire, voilà, nous avons un projet hospitalier, nous avons un projet agricole qui coûte tel, et voilà comment est-ce qu'on peut le faire. On peut le mettre en place. Je vous remercie. Merci. On a créé des centres de gestion agréés où on encadre les PME pour faire leur comptabilité. Bon. On est en train d'aller vers... On a mis dans le DSE le fait que tout grand projet d'investissement, on doit réserver au moins 30%
du coût du projet aux PME. Depuis plusieurs années, l'Union fait avec les fonds de développement plus des programmes de crédit exprès. Ils étaient trop onéreux pour des fonctionnaires à gérer. Et tout ça est maintenant devenu au secteur privé. Et là, les aides de l'Union viennent au Cameroun à travers la Banque européenne d'investissement. Il y a un gros programme en cours avec les banques camerounaises pour les prêts. Mais le Cameroun a une bonne tradition de crédit, même au crédit aux petites crédits que la banque ne fait pas. Au lieu que les jeunes Camerounais pensent à s'exiler, qu'est-il fait pour que, au niveau Cameroun, on dote notre pays d'infrastructures adéquates, c'est-à-dire des écoles de football ou des centres de formation tels que c'est fait ici, autofinancés par les municipalités ou bien l'État? Comment se fait-il qu'au sud du Sahara, à travers des années, les entraîneurs de football sont toujours les étrangers? Et pas que la coopération, on ne tourne pas le dos à la coopération, mais on se pose des questions. Et la question que je pose ici a été posée dans des journaux, par des journalistes, etc., etc. Comment ça se fait? Donc, vous pouvez, en répondant à la question de notre frère sur le football à la jeunesse, aussi essayer de voir comment ce que vous pouvez faire pour ça. Donc on a déjà posé les premières pierres pour le stade de Limbé et de Bafoussam, le stade de sport de Limbé et Bafoussam. Les travaux sont en cours, je crois que c'est sur un financement chinois. Il y a d'autres. On avait en fait un programme beaucoup plus vaste avec la Chine parce que c'était un programme d'une dizaine de stades. On a dû ramener ça d'abord à ce niveau-là pour clarifier un certain nombre de choses. Donc, le problème des équipements sportifs est un problème important qui est posé et qui doit pouvoir trouver solution. Maintenant, nous avons, nous, dans la discussion avec le ministère des Sports, nous avons dit au niveau du ministère des Communes, nous avons dit que le problème n'est pas seulement sur l'équipement sportif. Il faut qu'il y ait une politique sportive qui puisse permettre de rentabiliser ces équipements. C'est la parole à M. l'ambassadeur pour nous dire le mot de la fin. Je voudrais vraiment remercier les intervenants. Vous avez facilité beaucoup ma tâche. Et je remercie aussi les gens qui ont posé des courtes questions, et même des longues questions, si elles avaient, et toutes les questions avaient un sens. Merci. Vous avez la parole. Je crois que je ne me suis pas trompé en proposant ce thème. Ce thème l'on trouvait peu porteur, peut-être pas sujet à polémique ou à passion, mais je crois quand même que, indépendamment de tout ce qu'on fait, comme je le dis toujours ici, nous avons la famille au Cameroun, donc nous rentrerons au Cameroun, nous devons voir quel Cameroun pour demain. C'est pour ça que j'ai pris ce thème et je remercie ici le ministre de l'économie parce que je lui ai posé le problème pour avoir déplacé le chef de cette grosse administration. Je sais qu'ils ont beaucoup de travail. Donc à travers ça, je remercie déjà M. le secrétaire général qui a accepté. Ça montre que le sujet, même en tenant compte des questions qui ont été posées, nous intéresse tous. Et ça me fait plaisir de voir que malgré le fait que nous vivions ici, nous pensons au Cameroun. Donc, je remercierai quand même comme ça a été fait par le modérateur, tous les participants, le professeur Ali. Bon, c'est ce que déjà j'ai dit, bon, le modérateur, lui, on se connaît. Madame Aubryan, qui est mon interlocuteur, ça a été une bonne chose de voir un peu comment nos compatriotes réagissent. 80% de nos exportations, nos importations, nos relations commerciales se passent avec l'Europe. L'Union européenne demeure notre principal partenaire. Donc je remercie vous tous qui avez accepté, compte tenu du thème peut-être qui n'était pas très porteur au départ, mais qui avait accepté de passer ces 4 heures avec nous, malgré le long week-end, parce que c'était notre crainte, disant que avec le long week-end, beaucoup auraient préféré
aller à la côte ou ailleurs, mais vous avez accepté de participer à ces débats. Et c'est aussi un encouragement pour mes collaborateurs et moi pour organiser ce genre de rencontres. Et je le répète encore, nous sommes à votre disposition pour des idées, pour vraiment débattre sereinement sur l'avenir de notre pays. Vous venez donc de lancer les cérémonies marquant d'une part la fête du 20 mai édition 2010 et d'autre part la célébration des cinquantenaires de la réunification et de l'indépendance du Cameroun. Dans quel esprit général vous placez ces célébrations? Le chef d'État l'a dit, 2010 c'est l'année du cinquantenaire et en fait est un prélude pour le cinquantenaire de la réunification qui aura lieu l'année prochaine. Donc durant cette cérémonie, du moins cette manifestation, nous devons tenir compte d'un certain nombre de choses. Nous sommes partis de très loin, les gens qui connaissent l'histoire du Cameroun. Ce n'était pas facile, beaucoup ne donnaient pas, mais malgré les différentes vicissitudes, après 50 ans, nous avons eu, je crois, et c'est reconnu par les observateurs avertis, nous avons eu deux grandes victoires. Nous avons l'unité nationale qui est là, qui s'améliore, même dans les grands pays, ça s'améliore toujours, mais nous avons au moins, c'est une réalité au Cameroun, il y a une unité nationale, et nous avons la paix. Et maintenant, le thème de la conférence, c'est justement parce que maintenant nous devons voir pour le futur, pour avoir un Cameroun prospère, un Cameroun respecté. Et aujourd'hui, les problèmes économiques sont là. C'est dans cette optique que moi j'ai choisi ce thème qui projette le Cameroun comme pays émergent en 2035. Donc pour moi, je dis, nous avons deux réussites. Premièrement, l'unité nationale, c'est un acquis au Cameroun aujourd'hui. Nous avons la paix. Et puis maintenant, je crois que nous reste à peaufiner notre économie pour être un pays émergent, comme disaient les différents intervenants, créer la croissance et donner l'emploi au Cameroun, parce que l'emploi quand même, c'est un problème que nous connaissons tous et qui mérite d'être traité d'une façon, je dirais, spéciale. Oui, Excellence, quel message vous adressez à vos compatriotes installés en Belgique à l'occasion justement de ces célébrations des cinquantenaires et de la fête de l'unité? Non, je commencerai par le plus simple. Je souhaiterais qu'ils participent le plus massivement possible aux manifestations qui ont été organisées à leur intention. Nous avons une grande soirée culturelle le 22 où on va essayer de faire passer les grandes réalités culturelles du Cameroun. Il y a le tournoi de football. Donc, ce que je dis, c'est une fête. C'est vrai, nous avons un passé où il y a eu pas toujours les choses reluisantes, mais aussi, nous avons pu, malgré ces vicissitudes, bâtir un pays en paix, un pays, on est fiers d'être unis, je l'ai dit, et je reprends encore le chef de l'État qui parle des lions indomptables. Quand les lions indomptables jouent, on voit qu'il y a une osmose, tous les Camerounais se sentent Camerounais. Donc c'est un exemple. Comme je dis, nous avons l'occasion, pendant cette cérémonie, de nous retrouver, de prouver que nous sommes les gens d'une même maison, peut-être avec des chambres différentes, mais nous appartenons tous à cette maison-là. Oui. Je vous remercie.